तो हमारे ऋषियों का दर्शन है और आज पूरी दुनिया इस भारतीय योग की कायल है और क्योंकि पूरी दुनिया की आवश्यकता है योग। योग स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक जीवन पद्धति है, बीमार व्यक्ति के लिए वह एक चिकित्सा पद्धति और एक योगी के लिए वह साधना पद्धति। Jamais pratiqué le yoga, encore moins pensé en faire un film. Chaque fois que j'ai essayé de l'apprendre, je me suis blessé ou le prêchi prêcha m'ont fait fuir. Mais ces fameuses promesses de souplesse et de paix m'intriguent. Est-ce une mode, une secte, une gymnastique douce? Pour les hindous, briser la noix de coco porte chance. J'espère que ça marche. Je pars à la recherche des passionnés du yoga pour mieux comprendre, mais aussi, qui sait, dans l'espoir d'apprendre à mieux vivre. Le yoga est un excellent moyen de ralentir. C'est toujours important de s'arrêter et de respirer. Le yoga est un chemin vers une meilleure connaissance de soi. Plus on se familiarise avec le moi, plus on saisit le lien qui nous unit avec le monde. On forme un tout avec l'autre, avec la planète. Tout ce qui nous entoure s'intègre à un tout. Le marché du yoga offre 1000 saveurs. Yoga cirque, yoga tout nu, yoga chrétien et même du yoga pour les chiens.
Mais avec Richelle Donegan, on est loin de la saveur du moi. Son yoga tend la main à tous. Ceux à qui j'enseigne le yoga proviennent de toutes les couches de la société. Ce sont des gens ordinaires. Pendant ma formation de professeur, j'ai demandé comment on pourrait attirer davantage de gens de couleur et d'autres communautés vers le yoga. Une des réponses était que la couleur, on ne la voyait pas. C'est important pourtant de voir que nous sommes tous différents. Il ne faut pas juste distinguer la couleur, il faut la célébrer. Quand on enseigne le yoga, on doit s'assurer qu'on touche tout le monde. Now root the tailbone into that space again. Soften the heart towards the earth. Inhale and just lift the heart. Yes. It doesn't stop here. When I say you Quand je dis, vous êtes des êtres précieux, vous êtes beau tel que vous êtes, pas besoin de chercher à devenir un autre. S'accepter tel qu'on est, c'est tout. Shake the hands. Now the breath. Bring the breath into it. Bring the voice into it. Le yoga explose en Occident. Seulement en Amérique du Nord, il y a 50 millions de personnes qui le pratiquent. Est-ce la réponse à notre course au chacun pour soi, à notre mal de vivre toujours stressé? En cherchant à le savoir, je suis tombé sur une carte d'affaires qui m'a accroché. Who am I? Qui suis-je? Where do I come from? D'où est-ce que je viens? Where am I going? Où vais-je? How am I supposed Comment habiter mon corps en équilibre et en harmonie? Comment vivre sur Terre de façon responsable? Le développement de nous-mêmes, c'est les prémices du yoga. Tout commence avec notre corps, dont on est responsable. Pour le yoga, cela se situe entre le bout des doigts et le centre de notre être. C'est la première chose dont on est responsable. Si ce n'est pas équilibré, en harmonie, si ce n'est pas sain, en accord avec la nature, si ce n'est pas stable, si vous ne pouvez pas vous asseoir dans votre corps en y étant à l'aise, cela signifie « je ne penche ni d'un côté ni de l'autre ». C'est comme le niveau des menuisiers. La bulle d'air au centre est l'objectif du yoga. Respirez et votre esprit change à cause du lien existant entre l'esprit et le corps. En yoga, ce qui relie l'esprit et le corps, c'est la respiration. Les positions et la respiration nous aident à être à l'aise dans notre corps et à atteindre l'équilibre. Alors seulement, on est prêt pour la méditation. Ses amis indiens l'appellent Shweta, l'hindou à la peau blanche. Depuis 40 ans, Jeffrey s'intéresse à l'univers des yogis. Je lui dis, j'aimerais en connaître un, et il m'amène chez Mary Jo. Les yogis disent que chaque matin on renaît. Oui, absolument. On dirait que c'est votre cas. Tout à fait. Ma situation m'a appris ce qu'est vraiment le yoga. Ce que je veux dire, c'est qu'en principe, je suis paralysée à partir de la nuque. Je me suis brisé le cou en ski il y a 5 ans. Perdre l'usage de son corps, de ses membres, de sa sexualité,
perdre son identité, tout ce qui nous caractérise, est sûrement le test le plus exigeant pour le yoga. Ça a été un cadeau, un outil formidable, car je suis tétraplégique. Je devrais avoir du mal à respirer et même à vous parler. Grâce au yoga, j'y parviens. Ce n'est pas seulement physique. C'est plus grand et plus profond. C'est la science de la conscience. Dans une telle épreuve, vous espérez que vous parviendrez à prendre conscience de votre moi qui est au-delà du corps physique. J'enseigne encore le yoga de mon fauteuil. C'est un peu encombrant, mais je suis plus habile qu'avant. Vous devez être plus habile aussi à cerner les besoins des autres en yoga, car vous avez dû définir les vôtres. C'est impossible pour moi de cacher mon état. Quand je veux aider les autres, je mets l'accent sur cette capacité du yoga à dévoiler ce que vous cachez. On se révèle à soi-même. Votre compagnon est conscient des forces vitales qui l'entourent? Il prévoit mes spasmes. Ça me fait sursauter. Il les sent venir 5 minutes plus tôt. Il se précipite en bas du lit et il va se cacher en attendant que ça passe. Comme l'Amérique, l'Europe carbure à la caféine. Les horaires comprimés laissent peu de temps pour souffler. Alors la trêve du yoga est bienvenue. À Paris, capitale de l'art de vivre, l'école française de yoga se trouve sur le site d'un monastère converti en fabrique de chocolat. La vocation de ces murs s'est toujours partagée entre plaisir et méditation. Le yoga s'y trouve très bien. Lui, c'est Patrick Tomatis, qui forme des futurs professeurs de yoga. Elle, c'est Isée Tardin-Masquelier, directrice de l'école. Elle est historienne des religions, spécialiste de l'hindouisme et vraie fanat de yoga. Je crois qu'il ne faut pas chercher à convaincre tout le monde de faire du yoga, parce que le yoga correspond à une certaine recherche et que ça n'est pas tout le monde qui a le goût de cette quête. Et j'ai pas connu le yoga d'abord sur le tapis. Je l'ai connu d'abord comme une sagesse, une philosophie, ce qu'il a d'abord été en Inde. J'ai commencé à le pratiquer quand j'attendais mon premier enfant, ma fille, donc elle a 36 ans. Voilà. Et je l'ai toujours pratiqué. Bien. Et les mains qui se placent. Voilà, deux mains jointes. La jambe qui est fléchie essaye de s'ouvrir. Voilà, fixez votre poing, votre regard en face. Allez, Monique, encore plus haut. Allez, on pousse, on ouvre ses aines, les hanches. Voilà, très bien. Laissez grandir. Ben, le yoga, c'est une sagesse et n'est pas une religion. Le yoga ne demande pas qu'on croie quelque chose, mais
On te demande de marcher pas à pas dans cet espace intérieur tu chemines à travers ton corps, tu chemines à travers ton esprit, voilà, vers une certaine forme de libération. Et peut-être que ça, ça touche les Occidentaux. C'est comme une route vers soi, absolument, qui passe par, je dirais, par une série de portes qui sont à la mesure de nos résistances, qui sont à la mesure de nos ignorances. Tu vois, à chaque fois, il y a des verrous et il y a des portes qui s'ouvrent si le travail se fait. En fait, dans le yoga, la sagesse passe par le corps. Une force de vie étonnante. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est cette pliure que je prends là au niveau de la nuque, que puis je puisse la prendre à un autre niveau. C'est-à-dire, si je fais ça, là, et c'est dans le haut du dos, je viens faire la pliure. Encore là, voilà, parfait. Maintenant. J'ai eu un prof de yoga qui a dit « Le yoga n'est pas une thérapie, mais il est puissamment thérapeutique. » Il ne faut pas faire du yoga une thérapie, c'est une réduction occidentale. Mais en revanche, on s'aperçoit qu'en faisant du yoga, dans sa globalité, un certain nombre de maux, de souffrances, de maladies et tout vont s'atténuer, ou bien simplement elles n'auront plus d'importance. En fait, quand vous faites ça, vous êtes en train de me faire une sonnette externe de l'omoplate. Alors c'est sûr que quand j'ai le dos qui est un peu rond comme ça, j'ai tendance à avoir les omoplates un peu hautes. Hein, et puis il faut que je fasse l'effort de les abaisser. Il n'y a jamais eu une seule tradition de yoga. En Inde, il y a eu des yogas. C'est quelque chose de vivant et qui évolue. Et le yoga pur, moi, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, le yoga, c'est se retrouver soi-même. Et chaque fois que tu vas aider l'autre à pouvoir se trouver un peu, se rapprocher de lui-même, tu es vraiment là, au cœur du yoga. Alors, Philippe Vigan, il est Locked-in syndrome. Donc, c'est littéralement emmuré vivant. Il a eu un jour un accident vasculaire qui a grillé le bulbe rachidien et il est devenu finalement sans commande motrice volontaire, à part le mouvement des paupières. Ça lui permet en quelque sorte de communiquer avec les autres. Il a bâti avec sa femme un système qui permet donc quand il bouge les paupières et on arrive comme ça à décoder. U. Une, quatre, deux, oh, je suis déjà rassuré, c'est pas pin-up, mais... Il y a une définition que j'aime beaucoup du yoga qu'on trouve dans la Bhagavad Gita qui dit le yoga c'est l'habileté dans les œuvres. C'est comment, si tu veux, devenir plus habile dans tous les actes de la vie. Oui, ce sont ceux qui souffrent qui peuvent le plus profiter du yoga. Mais qui sont ceux qui souffrent? Tout le monde. Tout être qui est sur Terre fait l'expérience de la souffrance. C'est ce que dit le bouddhisme et la réaction des Occidentaux, c'est de dire « Ah, mais c'est terriblement pessimiste. » Mais dans la pensée indienne, c'est pas une raison de se désespérer. C'est juste que c'est la condition de l'être humain. Il se raconte plus des histoires. Donc il touche une vérité et parce qu'il touche une vérité, il sort de l'illusion des choses et de l'illusion sur lui-même. Et alors, il a une chance de découvrir autre chose.
Le yoga en tant que sagesse, c'est l'apprentissage du détachement. Et l'apprentissage du détachement suprême, c'est accepter de mourir. Dans le simple fait de respirer, les yogis ont trouvé l'expression la plus spontanée de ça. On expire, on rend le souffle et donc on meurt à quelque chose. Et on est régénéré ou on revit avec une inspiration. Aujourd'hui en Occident, avec la méfiance envers les religions et aussi les spiritualités, on a délaissé nos rites. Et on se trouve dans un état de vide. Une discipline comme le yoga permet peut-être de retrouver le sens du rite. Quand je me suis mise à faire du yoga, ma façon de vivre la danse a totalement changé. Ça n'a rien à voir. C'est un autre univers. J'ai été blessée. Un matin, je me suis réveillée et je ne sentais plus rien au-dessous de la taille. Personne ne savait ce que j'avais. Je suis convaincue d'avoir perdu toute sensibilité car je n'en pouvais plus. Mon frère était mort du sida peu de temps avant. J'ai perdu une très grande amie. Elle se rendait à notre centre de formation. En traversant la rue, elle a été heurtée par une voiture. Et elle est décédée le soir même. Et puis, celle qui était comme ma grand-mère a fait une crise cardiaque. Tout ça est arrivé en très peu de temps. J'ai perdu toute sensation parce que c'était trop. J'allais souvent à l'ashram pour boire du chai. J'adorais le chai. J'aimais le chai et le petit restaurant Amrit. Mais j'avais décidé de ne pas y participer davantage car ça ne semblait pas être ma voie. Je ne voulais pas me prosterner devant quiconque, surtout en tant qu'afro-américaine avec notre passé. Je n'étais pas prête à considérer qui que ce soit comme mon maître. Ce n'était pas mon truc. Mais une voix en moi a dit « Vas-y ». À partir de ce moment-là, je me suis prosternée. Je faisais tout. Je me suis mise à faire du travail désintéressé, sans savoir ce que c'était vraiment. J'ai tout fait sur le champ. Finalement, je me suis retrouvée dans un cours de yoga pour les problèmes de dos. Résultat, je ne m'étais pas sentie aussi bien depuis des mois. J'ai continué à guérir. Voici ma mère, quelques années avant sa mort. C'était une voleuse professionnelle. She was a booster.
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'en tirait très bien. Pendant certaines périodes, on habitait de grandes maisons. On avait 25 paires de souliers, des habits de velours. L'argent coulait à flot. Nous avions une voiture et parfois on était complètement fauchés. La vie était instable. Elle me comblait d'amour quand j'étais avec elle. Lorsque j'étais dans des centres d'accueil ou à l'orphelinat, c'était comme si je passais le temps à attendre ma mère. Peu importe si c'était des mois ou des années, j'attendais de la retrouver. J'aurais tant voulu que sa vie soit différente. Quand je songe au yoga et à sa puissance, et que je pense à ma mère, je me dis que si quelqu'un lui avait offert ça, c'est ce qui me pousse à vouloir le pratiquer tout le temps. Si je pouvais le faire 24 heures sur 24, je serais comblée. Je passerais mon temps à dire aux gens, viens faire du yoga. Je vais te le montrer, te l'enseigner. Laisse-moi te connaître. À bien des niveaux, c'est ce qui m'a sauvée. Quand j'imagine l'espace intérieur du yogi, c'est ce paysage que je vois. Depuis longtemps, l'Arctique et ses gens m'attirent comme un aimant. Mais je ne suis pas le seul. Kerry Lawson, nomade du yoga, l'enseigne ici depuis 7 ans. Tapis sous les bras, elle se balade entre la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et l'Inde. Quand j'ai montré aux anciens ce que je faisais avec les jeunes en classe, ils m'ont dit que c'est exactement ce qu'ils faisaient. Ça les aidait à apprendre le calme et la concentration. Quand notre père marchait devant, on manœuvrait nous-mêmes le lourd traîneau. Et on courait avec les chiens. Faire ce genre d'activité nous maintenait en forme. Ça fait très longtemps que les Inuits vivent, ou plutôt survivent, sur cette terre extrême. Soudain, les gens du Sud sont arrivés. Le gouvernement, les institutions, tous ceux qui voulaient les coloniser et les moderniser. Pensez à tout ce qui a changé ces 25 dernières années. Toutes les avancées technologiques sont à des années-lumière du mode de vie qu'ont les Inuits depuis des millénaires. Keep your eyes closed. Make your spine nice and tall. And let your mind come to your breath.
Did anybody find it hard to keep your mind on your breath? Yeah. Yeah. Totally. Remember I said this is going to be difficult? Yoga is more about the mind than it is about getting our leg behind our head. Really? A lot of the youth are uncomfortable. Beaucoup de jeunes sont mal à l'aise dans leur corps de nos jours. Physically, ils consomment beaucoup de sucre. They like their pop. Ils aiment les boissons gazeuses et les chips. Ils deviennent hyperactifs. There's actually a scientific process going on in your body. I can relate to these youth. Je peux m'identifier à ces jeunes. À leur âge, j'étais aussi à côté de la plaque. Un peu rebelle. J'ai quitté la maison à 17 ans. J'ai essayé un tas de belles choses qu'on pouvait expérimenter à l'époque. Je n'étais pas très centrée. J'ignorais tout du moi. Je sais ce qu'ils ressentent. Je sais ce que c'est d'être coupé de soi-même. Par expérience, je sais que le yoga peut renverser la vapeur. The trick is to focus and not get distracted. Don't laugh, man. Don't laugh. Yeah, but if somebody else laughs, if you have good focus, it's not going to distract you. Slow, deep breaths. Keeping your mind on your breath, keeping your focus. Let's see if we can just bring total stillness into this room. And you can be relaxed. We don't have to fight the thoughts. If a thought comes, just notice a thought's coming, let it go, and come back to breath. These could be the ones that are the most. Ce sont probablement les plus indociles et les plus agités. Their teachers say. Leurs professeurs me souhaitent bonne chance avec eux. So you take these children. Prenez ces jeunes que tout le monde a laissé tomber. Eh bien, en l'espace de 15 à 20 minutes. Ils méditent tranquillement. On voit la paix et le calme sur leur visage. C'est comme si leurs souvenirs étaient si près de leur cœur qu'avec un peu d'aide et de temps, ils reprennent contact avec eux-mêmes. You can see them reunite with who they are. Excellent. So traditionally, we might say the word namaste. You say namaste? Namaste. Namaste. Dans mon rêve, un enfant inuit me disait : on ne meurt pas. On ne fait qu'échanger de peau. Tout ce qui existe, existe depuis toujours. Ça ressemble à ce que dit le yoga. Une fleur, un gratte-ciel font partie du même tout. Atta yoga nusasanam yogas citta vritti nirodaha tadhadrastu svarupe vastanam. Venu enseigne le yoga. Il le pratique tous les jours de sa vie. Sans exception. Noël, jour de l'an compris. Mais je dirais que normalement, plus je fais du yoga, plus je pratique la méditation, plus j'ai un sens de bien-être. Alors les gens cherchent toujours des expériences extraordinaires. Ah, j'ai ma kundalini s'est éveillée, j'ai un chakra qui s'est ouvert ici. Ça, c'est un peu le côté hollywoodien, si tu veux. Ces choses-là existent véritablement et on en fait l'expérience, mais la vraie évolution dans le yoga, c'est une évolution qui se fait
normalement, qui se fait de façon assez subtile. C'est plus un art de vivre, si tu veux, puis surtout un art de ressentir les choses. Il y a 40 ans, Venu a découvert le yoga. Et l'Orient est entré dans sa vie. On pense à la musique, on pense à une forme de yoga qui s'appelle Nada Yoga. L'avantage de la musique, c'est qu'il attire le mental comme un aimant. Le mental qui est comme une espèce de singe qui a été piqué par une abeille et qui en plus est saoul. Donc c'est un peu ça le mental, essayer de contrôler ça. Alors une des meilleures façons, c'est par la musique. La sagesse orientale épate l'Occident depuis Socrate. Il y a un siècle, un premier yogi a séduit l'Amérique du Nord. Swami Vivekananda était antisectaire et prêchait à chaque humain sa religion. C'est lui qui a ouvert la porte du continent à la pensée hindoue. Puis d'autres ont suivi. L'expansion incroyable du yoga dans le monde occidental, c'est bien Swami Vishnu Devananda. Devananda, le gourou de Venu, fonde la première école de yoga en Occident. C'était à Montréal, en 1959. Elle est toujours là, à quelques minutes de chez moi, sur la Main. L'histoire de Swami Vishnu Devananda commence sur le fleuve sacré du Gange. Rishikesh, au pied de l'Himalaya, où des sages pratiquent le yoga selon la tradition depuis 5000 ans. Swami Vishnu Devananda, tout juste sorti de l'armée, devient le disciple de Swami Shivananda, un des grands maîtres spirituels de l'Inde du XXe siècle. Il suit une instruction rigoureuse pendant 12 ans, dont une année à méditer dans une grotte de l'Himalaya. Voyant l'esprit indépendant du jeune Vishnu Devananda, Swami Sivananda l'envoie dans le monde enseigner le yoga en lui disant « Pars en Occident, les gens sont prêts ». En 1962, à Valmorin, près de Montréal, il fonde un des premiers centres de yoga en Occident. Et puis, les années 60 arrivent. Les jeunes découvrent le yoga et l'ashram de Valmorin. Faites l'amour, pas la guerre. Fidèle à l'esprit de l'époque, Vishnu Devananda, le Swami volant pacifique, survole les zones de conflit du monde. Le Pakistan, le Proche-Orient, Cuba et l'Irlande
en leur lançant des fleurs. Ras-le-bol de la neige. En 1967, Swami Vishnu Devananda ouvre un nouveau centre de yoga aux Bahamas, pendant que les Beatles tournent le film Help. Pour les aider, il leur fait découvrir le yoga. Aujourd'hui, des artistes du monde entier pratiquent le yoga. Sarah McLachlan, Sting, Carlos Santana, Alanis Morissette, Yehudi Menuhin, John McLaughlin, Madonna, et l'ours Yogi. L'œuvre de Swami Vishnu Devananda grandit toujours. Ses écoles ont formé plus de 25 000 professeurs de yoga. Et lui-même n'aurait pas pu imaginer que le temple qu'il a fondé au cœur du Québec allait accueillir le plus grand festival hindou au monde à l'extérieur de l'Inde. Swami Vishnu Devananda n'était pas le seul yogi à passer sans effort des tropiques au pays de l'hiver. Le docteur Bali est le petit dernier de la lignée. Marié à Montréal par Devananda lui-même, il est passé du monde traditionnel indien à un Montréal en plein boom et pas de choc culturel. Tout m'était familier ici. Je reconnaissais cet endroit. L'endroit ne m'était pas inconnu. Le docteur Bali était sûrement occidental dans une autre vie. La preuve, une équipe culte l'a adopté. Une fois de plus, le Canadien s'approprie la Coupe Stanley, le trophée le plus convoité du monde du hockey. Back. The tiny capillaries which are blocked, they need to be dilated. And feel. Feel the guts, feel the pelvic muscles. So it's not just the abs, the very core muscles being worked into. This is what the key element is. C'est ça la clé. As long as we Tant qu'on est mobile, on reste jeune. We can stay young. Back into the cobra. Always stabilize your breath. Pause for a moment. Now circles. We have about 40,000 thoughts. Nous avons environ 40 000 pensées par jour, dont 90% sont les mêmes le lendemain. Et 90% sont des pensées négatives. Avec elles, impossible de créer des énergies positives, une énergie pour guérir. Quand guérit-on le mieux? Dans le sommeil profond. Parce que le mental n'intervient pas dans le processus. C'est ça la condition humaine. Nous sommes trop occupés à agir, penser et devenir. Le yoga nous ramène à l'état d'être,
ici et maintenant. In this level of comfort, nothing and nothing can hurt your body ever again. Feel that trust. That's where your immune system has been hoisted. That's where any functional decline or deficit has been compensated. And feel being the ocean of pure awareness. Le docteur Bali a inspiré ce programme de soutien pour les femmes qui combattent les cancers du sein. Fantasize your body flourishing, blossoming into beauty and grace. Deeper, deeper, deeper. Feel the extension slowly down. And with feelings of firmness and tautness. Hold it, feel it. Reach out, make circles, inhale, exhale. Up again, stretch your arm, hold this at the present moment. Hold it, let go. La première fois, j'ai pleuré. C'était au niveau du sternum. J'avais terriblement mal, je m'étais fracturé le sternum. Je ne pouvais pas m'allonger sur le ventre. C'est ma position préférée pour dormir depuis l'enfance. Je n'avais pas dormi sur le ventre depuis 5 ans. Quand il nous a fait allonger sur le ventre pour relaxer, je n'étais pas sûre, mais je l'ai fait quand même. Quelle révélation! Ça m'a libérée. And relax. And it is the feelings of comfort and joy, which is your medicine. And slipping away into the feelings of being. That's where the healing molecules are being released. And now I actually teach. J'enseigne maintenant le yoga à des femmes souffrant de cancer du sein. Revirement complet. Je suis passée d'une malade dont l'espérance de vie était de 6 mois à 5 ans à professeur de yoga. And as you feel the rush of energy, feel the absorption and assimilation of all the nutritional and the medicinal needs. This is the moment to cherish. Et comme Francine, au premier cours de Dr. Bali, la seule chose que j'ai fait, c'est respirer et pleurer. C'est tout ce qu'on fait dans les premiers cours de yoga. Et ensuite, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais à faire, tout ce que je pouvais faire, c'était respirer. Même les positions, c'est respirer. Parce que quand on est en choc, on oublie de respirer. Et bon, j'ai encore des choses à apprendre, manifestement, puisque je suis en récidive depuis 1 an. Et moi aussi, j'ai mal au sternum. Et je pense qu'il faut respirer, dire et laisser aller. Feel the mobility. Again, feel the rush of energy. Et moi, si je viens pas au cours de Dr. Bali, mon monde éclate encore. Donc, je fais du yoga 3 fois par semaine, j'essaie. Parce que ça m'aide à vivre. Thank you for sharing that. And this whole process, ce processus, vécu par chacune de nous, nous redonne espoir et confiance en nous. On se libère de nos pensées, de la colère, on retrouve notre voix. C'est un moyen qui transmet le savoir de civilisations anciennes, païennes et autochtones. Nous sommes une seule humanité unie par la connaissance. On a perdu cette notion en Occident. Dès que la peur se transforme en confiance, tout change. Notre corps change. Car le corps est l'imprimante de notre mental. C'est merveilleux de découvrir cette nouvelle dimension de notre corps. Et de savoir que cette connaissance est structurante. Thank you all. Thank you all. Oh. We need a group hug. Thanks, Nadia. Thank you.
Imaginons qu'un yogi traditionnel rencontre Paul McQuillan, citoyen de l'Amérique du Nord. Le sage dirait « Oui, il a l'air en santé, bon équilibre, souple, il est prêt pour la méditation. » Mais pour lui, comme pour beaucoup de gens qui pratiquent le yoga en Occident, c'est le corps qui compte. J'ai découvert le yoga quand j'étais en tournée avec la comédie musicale Hairspray. J'étais toujours en avion. Je me sentais éparpillé, déséquilibré. Dans ce sens, ça m'a aidé. Mais je ne médite pas tous les jours. Je détestais les cours. 90 minutes de torture dans une pièce surchauffée. Le Bikram Yoga dit, vous préférez souffrir 90 minutes ou 90 ans? Mais bon sang, ces 90 minutes sont douloureuses. C'est vraiment difficile. On parle beaucoup de la hausse des cas de diabète aux États-Unis et au Canada, de l'obésité chez les enfants. Mais on ne parle pas de l'épidémie de santé. Je crois que les gens veulent l'intérioriser et améliorer leur santé. Comme je l'ai déjà dit, les gens recherchent une voie vers l'esprit, un réveil spirituel. Ça devient de plus en plus populaire. Are too beautiful, and I am a fool for beauty. Often I'll do yoga. Je fais souvent du yoga quelques heures avant de monter sur scène. Alors je me sens plus libre vocalement. Il faut commencer par le physique et s'ensuit un effet domino. On commence par ouvrir le corps physique. C'est purement physiologique. Le point de départ, c'est ouvrir le corps. On doit prendre soin du véhicule, le corps, avant de pouvoir tirer parti du reste. Exhale. Good. So you notice in the second set that you're getting more and more breath into the lungs. That means that you're expanding your ribcage, you're opening, you're improving your lung capacity even more with each and every breath. Makes sense? And then inhale, then it comes down, and you come up. All right. Simply because I'm a yoga teacher. I will have people. Il y a des gens qui viennent dans mes cours et qui s'attendent à ce que je les aide vraiment. Je fais du mieux que je peux et je me concentre sur les postures. Je ne peux rien faire de plus. Il y en a d'autres qui te bombardent de questions. C'est comme s'ils voulaient prendre une part de moi, car ils croient que j'ai trouvé quelque chose. Mais ce n'est pas le cas. J'essaie juste de créer un équilibre dans ma vie d'acteur en faisant et en enseignant le yoga, car j'aime ce que ça a fait à mon corps. Mais je n'ai pas de solution. Actuellement, il y a une tendance à dire tel ou tel yoga est le meilleur. C'est notre yoga ou rien du tout. C'est insensé. Le yoga est une des sciences qui contient une bibliothèque de connaissances écrites en sanskrit. Le sanskrit est en quelque sorte un langage de programmation spirituelle et matérielle, plus précis que le latin, à bien des égards. Et nous utilisons le latin comme langue scientifique. Mais le sanskrit est l'ancêtre de l'araméen, du grec, du latin, puis des langues romanes et de l'anglais.
Toutes ces langues trouvent leurs racines dans ce fabuleux arbre de précision grammaticale qu'est le sanskrit. Et le mot samskritam veut dire la langue perfectionnée. Donc, pater, père, vient du sanskrit pitri. Pitri, matri, en sanskrit, deviennent pater, mater, en latin. Mutter, Vater, je crois en allemand. Mother, father, en anglais, et maman, papa. Un des secrets du sanskrit, c'est la phonétique, quand on le chante. Om Bhuvasva Tat Savitur Vareniyam. Les mots et les vibrations du sanskrit transmettent des images, la vérité, et alignent les molécules de notre corps d'une certaine façon. C'est un mantra les plus célèbres récités par les yogis. Ils disent au soleil, « Tu es l'âme de l'univers. Je veux cette lumière dans mon cœur, pour toujours. » L'hindou blanc est de retour au bercail. Il est bien accepté ici, comme les maîtres indiens qui ont semé le yoga l'ont été en Occident. C'est un juste retour des choses. Un bon touriste, je saute à pieds joints dans l'exotisme. Le dépaysement me met à l'affût. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la perle rare. Shravalu Prenad. Lui, il dit qu'il n'est pas un gourou, mais pour moi, il l'est. Il rend les choses tellement claires. Ces 300 dernières années, l'évolution du monde s'est spécialisée. L'Orient a mis tout l'accent sur la réalisation spirituelle sans tenir compte ni de la vie, ni de la matière. L'Occident, lui, a mis l'accent sur le développement matériel en oubliant la vie intérieure et spirituelle. Avant les 300 dernières années, l'Orient et l'Occident possédaient chacun le matériel et le spirituel. Cette spécialisation représente l'ultime réconciliation que la nature prépare en vue de son évolution. Elle a engendré ces deux extrêmes qui doivent maintenant se rejoindre. En Occident, il y a une quête de ce qui procure la satisfaction véritable, car tout ce qui est matériel ne suffit plus. On assiste à un retour vers l'Orient. Mais en Orient, malgré une satisfaction intérieure profonde, on est insatisfait de l'extérieur. La vie ne devrait pas être si pénible, si mal organisée ou sale. On tente donc de se tourner vers l'Occident pour retrouver le côté matériel. Tous n'en sont pas conscients, mais ils en ressentent le besoin et tentent ce passage. C'était l'idéal recherché par les plus anciennes quêtes spirituelles en Inde. C'est pourquoi la culture de l'Inde est si riche, diversifiée et développée. Depuis plusieurs années, je viens souvent en Inde où je donne des conférences, surtout pour les jeunes. J'appelle cela « rapporter l'eau du Gange au Gange », ramener l'Inde à l'Inde. Om Pradhamam Shailaputricha Vityam Brahmacharini. I find myself to be one. Ma voix toute petite se retrouve parmi un cœur qui dit que nous pouvons guérir la planète ensemble, en nous respectant les uns les autres. C'est ce qu'on enseigne en Inde, depuis la nuit des temps. Et là-bas, parfait. D'abord, je m'appelle Jeffrey Armstrong. Je sais à qui vous pensez. Neil Armstrong. C'est mon oncle. C'est un astronaute de l'espace extérieur et moi, de l'espace intérieur. Vos ancêtres ont inventé le développement durable.
Ils ont appris à conserver cet équilibre en toutes choses. On appelle ça le yoga. Quand tous les désirs inutiles sont éliminés de l'esprit, l'esprit reste stable. Si vous devenez des yogis, vous comprendrez comment fonctionner et travailler avec la planète de façon à trouver des solutions puisées dans la technologie et la science et axées sur la viabilité. On pourra tous y arriver, car votre héritage vous permet de montrer la voie. Om Bhu Tat Savitur Varenyam. So, the youth, they see me. Aux yeux des jeunes, je suis l'arbre qui pousse en sol blanc. Une greffe entre un séquoia, mon moi nord-américain, et un lotus, mon moi désormais très enraciné en Inde. À l'ouest, on fait la pub des produits de consommation. À Rishikesh, ville sainte, on fait la pub de la vérité. Rishikesh est la capitale mondiale du yoga, la Mecque des yogis occidentaux. Pour les cyniques, ce n'est que du tourisme spirituel. Pour d'autres, c'est vraiment un lieu de refuge. Pour moi, c'est comme entrer dans un livre de contes. Mais Jeffrey Armstrong est ici pour des raisons pratiques. Il veut renforcer ses liens avec l'organisation de Swami Chidananda qui l'invite à Vancouver. Avec le yoga, ce n'est pas seulement le corps qui devient flexible. L'esprit aussi, votre être tout entier devient souple. Les biens matériels vous rendent heureux, vous en avez besoin. Vous vivez dans ce monde, rien de mal à ça. Profitez de ces biens, aimez-les, possédez-les. C'est ça le monde où vous vivez. La vie, ce n'est pas la tristesse, la mauvaise humeur et la rupture, la grotte dans la montagne. La vie est une célébration. Jouissez-en. Faites-en une célébration, tout en grandissant. Mais comment célébrer la vie? Comment ne pas être contrarié par le vide autour de soi? La vie a des hauts et des bas. Comment empêcher que cela arrive? Voilà le cadeau du yoga. Il nous donne la clé pour créer notre propre grotte où qu'on soit. Il nous apprend à nous développer, pas à changer de religion, ni à renier les enseignements millénaires de notre église ou synagogue. En venant ici, vous devenez un meilleur chrétien, un meilleur juif ou un meilleur musulman. De plus, si vous voulez mon avis, vous devenez un meilleur être humain. Se développer, c'est la clé. Incarner le développement. Touchez-y et le monde changera. Ce que j'adore de la spiritualité hindoue, c'est qu'elle est joyeuse, clinquante, jubilatoire.
Venu est en transe. Ici, il trouve son yoga de prédilection. C'est lui qui passe par les vibrations, le yoga de la musique. Il réalise un vieux rêve, acheter un harmonium made in India. Quel beau son! Vous les fabriquez ici? Oui, dans l'atelier là-haut. Fantastique. Je connais peu d'accords. J'accompagne surtout les autres. Ils sont fabriqués à la main. Chacun a un son unique. Ok, bye. Oops, sorry. I guess I have to bon, je vais devoir l'acheter maintenant. J'aime le son. Je vais vous l'emballer. S'il vous plaît. Les asanas que Venu pratique chaque jour ont été conçus il y a des milliers d'années. Leur but, pouvoir méditer pendant des heures sans avoir mal au dos. Tout être humain, qu'il en soit conscient ou non, est en quête du divin. L'analogie qu'offre la tradition indienne est celle du cerf porte-musc. Le cerf sent le parfum du musc. Il ne sait pas que son corps dégage cette odeur. Il en cherche la source. Il se met à courir à travers la forêt. Plus il court vite, plus l'odeur se dissipe. Il s'arrête épuisé. L'odeur revient et il se remet à courir jusqu'à ce qu'il réalise que la source du parfum est en lui. Endroit où son gourou, Swami Vishnu Devananda, pratiquait tous les jours avant de partir vers l'ouest. Il apprend le chant millénaire de la Bhagavad Gita avec son professeur Nagaraj, qui fait la navette entre Rishikesh et le Québec. Une surprise nous attend au fond du monastère. Deux moines occidentaux, père et fille, prennent soin des jardins. Je croyais passer 4 mois ici. Je ne pensais pas du tout rester. Mais un beau jour, je me suis levée. J'ai dit à papa, je crois que je ne rentre pas. Imaginez, vous avez 33 ans. Vous êtes sur le point de rentrer chez vous. On vous attend là-bas. Votre père vous encourage à partir. Et tout bascule. Je n'ai pas du tout résisté. C'était merveilleux qu'elle soit ici.
On pouvait parler de choses spirituelles et de la famille. Là, on voit mon père et ma mère. Ici, c'est la visite de la famille, en 92. On ne les avait pas vus depuis 16 ans. Quand on a quitté pour... Oh, plus de courant. C'est tout à fait normal en Inde. Je suis arrivée en décembre 1980. C'était très beau à mon arrivée. Mais les déchets étaient jetés au bord de la route. Il n'y a jamais eu de collecte organisée comme on les connaît en Occident. Et c'est seulement depuis le développement intense de l'Inde et l'apparition de la richesse que le plastique et les emballages non recyclables sont devenus un réel problème. L'Inde s'est développée de façon frénétique, sans prévoir de solution pour les déchets générés par cette industrialisation. Voilà la raison de notre action. Le karma yoga, c'est agir par devoir et sans désir de récompense. C'est vrai, car le mot karma veut dire action. L'objectif du karma yoga est d'entrer en union avec le divin par l'action. Hier, ma mère m'a appelé et elle a dit, « Mon Dieu, t'es devenu un bangi. » Bangi veut dire « ramasseur de déchets ». J'ai le sentiment d'accomplir quelque chose. Mon corps fait plus que respirer, manger, dormir. Je veux faire ça car ça fait partie de notre culture. C'est Jitendra, le directeur des opérations et fondateur de Clean Himalaya. Je lui ai offert mon aide pour du porte-à-porte. Affiche en main, on leur expliquait notre mandat, ramasser leurs déchets. On a mis du temps avant de gagner leur confiance. Ensemble, on a trouvé des clients. Si le centre Clean Himalaya fermait ses portes, comment je ferais pour gagner ma vie? Je le considère comme une entreprise qui m'aide à survivre et qui permet de travailler. À Vancouver, Bill était homme d'affaires. Toujours attiré par la vie spirituelle, il a attendu que ses enfants grandissent avant de se retirer au monastère. Je pensais pouvoir faire de l'argent et me lancer dans la politique un jour pour être au service du pays. J'ai réalisé qu'il existait un but plus grand. Je suis assis sur le même lit depuis 35 ans. Un bon vieux lit de camp. Avec le yoga et une vie spirituelle, il ne s'agit pas tant d'acquérir quelque chose de nouveau que de débarrasser notre esprit de l'idée farfelue qu'on est le centre de l'univers. Autrement dit, vous aimeriez qu'on vous traite comme j'aimerais qu'on me traite. On n'a pas besoin d'avoir un gourou ni d'aller en Inde. Tout ce qu'on a à faire au quotidien, c'est de traiter les autres comme on voudrait être traité. C'est tout ce qui est demandé. C'est l'essentiel. Mais comme l'a dit Reagan de sa politique économique, je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'était simple. Les questions spirituelles ou religieuses ne sont pas faciles, mais elles sont simples.
Voici Carrie, fraîchement débarquée de l'Arctique. Elle prépare une tournée d'enseignement yogique avec Kabir, son amoureux. If you're comfortable. Good. Connect the mind to the breath. In the West, en Occident, le yoga est plutôt vu comme une activité physique. En Inde, il est synonyme de dévotion. On a besoin l'un de l'autre. Ensemble, nous faisons du yoga un tout. Kabir est un professeur accrédité. Quand je l'ai rencontré, sa force se situait au niveau spirituel et philosophique. Ses autres belles facettes du yoga. Mais le côté asana était moins fort. Quand Kabir et moi enseignons ensemble, on apporte l'aspect masculin et féminin. Beaucoup de villageois n'ont jamais vu d'occidentaux. C'est nouveau pour eux. Quand je leur apprends, je reçois leur enseignement aussi. Très vite, un lien se crée. So, you'll come up onto your toes. To touch your knees to your arms. Concentrate, concentrate. Look at the floor, look at the floor. Slowly, slowly come down. Tuck your head. Ma mère enseignait le yoga. J'ai grandi avec ça. Mais il ne fait pas partie de ma culture. Il fait partie de la vôtre. Mais il se passe quelque chose en Orient. Il semble que le yoga se perde. On a besoin de jeunes comme vous pour le maintenir en vie, pour que votre héritage subsiste. Difficile pour moi d'imaginer quelqu'un qui pourrait mieux profiter du yoga qu'un condamné. Mais il a fallu briser plusieurs noix de coco avant qu'une prison ne nous ouvre ses portes. Parmi les prisonniers ici, il y a des meurtriers, des voleurs, des vendeurs de drogue et des terroristes. On parvient tout de même à gérer la prison et à maintenir une ambiance sereine. On maîtrise bien la situation. Ce n'est pas un beau studio où l'on entend de la belle musique et de l'eau qui coule doucement. Ici, on sent l'angoisse. On sent le désespoir. On a besoin du yoga partout, surtout dans les situations de réinsertion. Il est essentiel dans de tels cas. Exhalation, slowly bring down the arms. Inhale up.
Allow the mind to gently come back to breath. Voyage au pays du yoga me rappelle une fable. Curieux, un groupe d'aveugles s'approche d'un éléphant. L'un tâte la patte et dit « c'est une colonne ». L'autre touche la queue et dit « c'est un balai ». « Ah non, c'est un boyau », dit le troisième. « Un éventail », dit l'autre. « Pas du tout », dit le dernier. « Tu ne vois pas que c'est une muraille ?» Eh oui, il y a une morale à cette histoire. Nous sommes tous aveugles et ne saisissons qu'une partie de la réalité. Maintenant, je fais du yoga et même si je suis loin de la vérité, mon corps est content. J'ai appris à mieux respirer. Côté esprit, ça a bougé aussi. Mais ça, je le garde pour moi. Le yoga a eu raison de ma méfiance. Il a gagné mon respect.